7h du matin, départ pour la plaine des Jassauts par la gorge de Groom. Alors, on attaque par du Goudron jusqu'à Beauvaisé où on va rejoindre Abel et Lucky qui eux vont monter à pied. Mais comme de toute façon c'est une balade où on fait que pousser, il n'y a pas de problème. Alors pour rejoindre la grande route, on prend un petit raccourci. Sympa. À la sortie du raccourci sur la route, il est bien, mais il était un peu humide. Tout en allant à Beauvaisé, le village d'Ondre, tout en haut. Enfin, tout en montant au milieu et le pont qui traverse le Verdon qui permet d'y aller. Il a neigé cette nuit. Regardez, tout là-bas au fond, sur la montagne la plus loin, c'est blanc. C'est pour ça qu'il fait si froid. Oui, c'est blanc. C'est par là. Mais avant, petite séance de déshabillage, c'est parti pour au moins 2 heures, sinon plus, de montée. Alors, la gorge de Groom, elle est entre la montagne qui est là et celle qui est là. Voilà, on arrive au lieu de rendez-vous convenu avec Lucky et Abel. Mais on est les premiers, comme quoi les vélos ça marche. Hein. Ah ouais, on a mis pile 1 heure. Tel timing, hein. Ça fait 3 minutes qu'on est là avec Robert. Abel et Lucky arrivent. Ça y est, tout le monde est prêt, on y va. Lucky, Robert et Abel. Le temps de rejoindre joli jumper et j'y vais. Alors là, c'est pente sévère. Allez, montez. Mais vraiment très sévère la pente. Hein. Toute l'équipe est là. Alors ici, c'est l'endroit où la piste devient sentier. Et on s'arrête pas là. Ah, quelle équipe!